Ce week-end, nous sommes inscrits pour la 5e manche du championnat de France moins de 25 chevaux au Creusot. Et très vite, moi et mes potes, on s'est pris au sérieux. Et pour cela, nous disposions d'une machine des plus hautes technologies d'aujourd'hui. J'ai nommé l'YCF 88. Modifié et préparé pour l'occasion en super motard. Le moteur est passé de 88 cm3 à 190. Une paire de slicks, et puis... Bah, c'est tout. Hein. Après avoir fait la paperasse et passé le fidèle briefing obligatoire, nous avons passé la moto au contrôle technique. Un contrôle technique des plus rigoureux nous attendait. La moto ayant passé le contrôle technique haut la main, nous sommes retournés à notre stand pour attendre la première manche des qualifications. Sur place, nous étions assis à côté du team de Velay et on en a profité pour soutirer quelques conseils de pilotage à Erwan, le pilote. En week-end course, tu peux être un peu stressé. Alors le speaker lance des informations pour tenter de te mettre à l'aise. Messieurs, damoiselles, dames, les pilotes, les pilotesses, je vous remercierai de mettre un casque à moto, surtout dans les paddocks, puisque les paddocks sont la voie publique. Si la police passe, vous serez forcément verbalisé si vous roulez. Casque. Ok, sympa. Bon, allez, on passe au qualif. Au final, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à être inquiets. T'es tellement stressé qu'à l'entrée des qualifs, tu peux confondre ton fils avec un autre. Ah, non, lui, c'est pas mon fils, en fait. Au départ, j'ai commencé doucement. Il a fallu apprivoiser un peu la 88 avec son petit empattement et le 190. C'était assez dangereux en sortie de virage. Alors, tu te fais déboîter par des prépubères de 13 ans sur des motos 4. Petit à petit, la confiance s'installe et j'ai pu moi-même déboîter quelques gars. Mais après 10 tours de qualif, j'ai eu un petit souci d'ordre vestimentaire. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors il a fallu improviser avec mon mécano. Slider de bottes parce que Morgan elle est sortie qui frotte. On voit le petit doigt de pied là ? J'ai pu faire que 10 tours en qualif, ça prenait feu. Non, il sort la lime à moi. Je finis à la lime. J'ai une fraiseuse dans la voiture, on peut s'arranger si tu veux. C'est exactement ça, voilà. Et ça, c'est... spécial, c'est de haute technologie. Haute technologie. D'ailleurs, c'est l'équipement indispensable. Pour pouvoir faire de la course, c'est un rouleau de Chatterton et du VD40. Lui, il y a du poil. Lui, il y a du poil. Lui, il y a du poil. Dans les stands, l'ambiance est bonne enfant. Ça rigole, tout le monde s'amuse. Mais la première manche course arrive très vite et ayant constaté qu'Erwan était plus rapide, on a décidé de sectionner ses freins. On constate quand même que j'ai le 5e chrono des qualifs et qu'Erwan a le 4e temps.